c'est lui dans cette nouvelle vidéo de Kimi. Les gens se retrouvent aujourd'hui pour la mise à jour. C'est une grosse mise à jour qui est arrivée. Avec première grosse mise à jour de la saison 2. Nouveaux skins, nouvelles armes, nouveaux atouts. Enfin, plein de trucs, donc on va aller voir ça. Et les skins bonus, normalement. En tout cas, faut faire péter avoir de pouces bleus, faut s'abonner à la chaîne, faut nous dire si ça vous plaît, faut pas hésiter à utiliser le code créateur KGUILLAUME si vous achetez un petit truc d'objet. Ah, il y a des nouveaux skins qui vont arriver. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés ou pas? Ils ont remis. Ah, il est pas mal celui-là. Oui, sympa, ouais. Ils ont remis quelques skins. Ah, bah le gardien de la faille. Ah, yes, que j'ai, c'était là. Ouais, tu l'as. Ouais, un petit peu de truc sympathique. Donc ça va arriver dans la boutique de toute manière, on a vu un petit peu. Bah, ça vous pouvez regarder. Ah, bah tiens, c'est parti. On va le remettre. Bah, parce qu'en plus, on n'achète pas. Il n'y a pas beaucoup de skins qu'on a acheté récemment. Non, parce qu'il n'y en a pas eu des beaucoup. Je vais tout réécrire. Oh là là, pauvre petit chou. En tout cas, merci à tous ceux qui le font, tous ceux qui l'utilisent et tous ceux qui nous notifient sur Twitter, Instagram, etc. Le Fortnite Crew aussi arrive. Nous, on a hâte parce que c'est le skin qu'on vous avait montré au tout début de la saison. Danger printanier. Et quête d'étape 1 sur 10. Oh, mais ça a changé la façon. Ouais, l'interface, il a changé. Oh là. Trop chaud. On va regarder ça, mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a plein de nouveautés. Il y a le pompe à charge qui est revenu. C'est ça. Il y a, comment ça s'appelle, le pistolet à silex qui est revenu. Il y a le lance-œuf de pack. Je vais regarder exactement. De toute façon, il y a plein de trucs qui sont arrivés et on va essayer de voir un petit peu tout ça. Oui. Le plus important, c'est quel est le skin que je vais débloquer en premier dans les secrets. Ah, bah oui. T'as invité. Hein. Ah, oui. Ah, ils ont changé l'interface. Ouais, ils ont changé un peu d'interface. Il y a plein de trucs qui ont changé, donc. Alors, mise à jour 24.10. Ouais. Laissez explorer votre joie. Je vais voir juste les quêtes d'étape. Comment ça fonctionne? Danger printanier. Pourquoi c'est marqué 1 sur 10? Bah, parce qu'il y en a 10 et t'en as fait 0. Ah, t'en as dû faire 1. Ah, j'en ai réussi qu'une seule. Ok, d'accord. Défi, ça, on s'en fiche. Quête quotidienne. Ah, du coup, il y a une petite progression. T'en as 6. 0 sur 6 parce qu'on est 2. Quête de saison, il n'y en a pas. Par contre, danger de. Ah, il y a un petit problème. Parce que ça, en fait, c'est qu'elles arrivent peut-être à 15h. Elles arrivent à 15h, ouais. Bah attends, je vais regarder. Du coup, elles arrivent aujourd'hui, il faudra nous dire ce que c'est si jamais vous voyez la vidéo. Donc la vidéo a un peu de retard. Danger printanier qui dure jusqu'au 11 avril 2023, 6h du matin. Ouais. Alors, ça commence le 29 mars à 15h. C'est UST. Ok, donc là, ça commence tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Une nouvelle quête sera ajoutée chaque jour. Et tu as... Ah, aérosol, on voit tout. Ouais, c'est ça. Ah ouais, un petit sac à dos et tout, ah, c'est cool. C'est mignon. On verra ça pour une vidéo voilà, quand ça arrivera. Exactement. Et là, les gens, attention, puisque de toute façon, ce qu'on veut voir, c'est... La révélation des skins bonus. Oh. Ah, c'est sympa. Bah, ça fait moi, très méga que je voyais, je voyais néon, truc comme ça. Quoi. Oh, donc, yeah, je peux dire prendre bug. Des Zuki. Oh, trop bien, trop bien. Yeah, trop bien. Oh là 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 là. Attends, mais avec tous les... qu'elle a déjà en alternative, je pense pas qu'elle en aurait. Bah si, tous les skins ont une alternative. Pas tous. Bah si. C'est tous les skins là. Bah je dirais que oui. Oh c'est propre, du coup ça s'appelle le élan cinétique. Élan cinétique, ok. Ok. Et bah, il est ouais. très beau l'élan cinétique. Ouais c'est propre, bah du coup Mizuki. Hein. Mizuki ouais. Après moi je la trouve le plus stylé c'est bah, sur la dernière. Ouais. Bah, comme elle a une capuche et qu'on voit bien le motif alors oui, que là du ça. Coup c'est les là, cheveux. Là on mais voit pas moins, mal en fait. Mais ouais c'est pas mal. C'est très stylé. Attention page numéro 2. Oh, oh joli. Ah bah acide. Jade ouais. Acide, ça fait très vert jade. C'est pas mal. Magnifique. C'est pas mal. J'aime bien avec Imani. Le mieux c'est non mieux, parce qu'il y a le signe devant. Oui ça, ça rend pas ouais, mal. Ouais ça rend très très bien. Ouais. Ça rend ultra bien. Ah bah un propre. Peu aussi sur bah non mais Matassine une des mieux. Hein. Ah efficace aussi. Ouais, ah ouais, ouais j'avoue. Oh là 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 là. Et du coup, qui vous la semaine prochaine, il a tout. Non, ouais, peut-être. On verra le dernier. On verra le dernier, attention. J'aime moins sur celui-là. Ouais, celui-là, c'est peut-être le... Bah, c'est le skin que j'aime le moins de cette saison. Oui, moi aussi, ouais. Il est bien, mais... Ah, mais il n'y a pas sur... Quand même, j'ai raison, il n'y a oui, pas sur tout. Sur le nouveau Nomad. Oui, il n'y a pas sur ouais, Feral. Oui. Et c'est pour ça que c'est bizarre qu'il y ait Matassine, parce que Matassine, elle a déjà plein de skins. C'est vrai. Oh, trop beau. Regarde. Ouais. Ah, trop beau. C'est ouais. Matassine la mieux. Hein. Et quelle couleur? Bah, du coup, doré, je pense. Oh, oh mais c'est pas du tout le même style. Oh c'est pas du trop tout le même style beau. Mais c'est pas du tout le même style. Ah j'avoue. Ah ils ont fait vraiment c'est pas mal parce que c'est différent de ce qu'ils font d'habitude où c'est juste une couleur oui, qui change. Oui bah comme là. Là on a... Là c'est une couleur, là c'est des là, hexagones. Ouais. Ah non là si ça change. Ouais c'est juste la couleur qui change un peu parce qu'on a aussi des sortes de... Le dernier il est incroyable. De lignes ouais c'est les mêmes lignes tu vois. Oui, oui. Et le dernier, il est une... incroyable. Ah, putain, incroyable les couleurs. Oh
Pour l'instant, c'est celui-là qui rend le mieux. Ils sont super efficaces parce qu'ils sont discrets quand même. En fait, il faut savoir que souvent, les skins niveau 200, ils sont pas discrets, du coup, personne joue avec. Oui, là c'est vrai. C'est pas mal. Hein. C'est... Ouais, non, magnifique. Elle est magnifique, Mantessina. Ouais, c'est efficace. Vague méga. Meilleur skin. Vague méga. Est-ce que ce serait pas le meilleur skin de cette saison ? Oh là là. Pas mal aussi. Ouais, ça rend bien. Ah, ça rend bien. Non, ça rend. C'est, ah, ça tu vois, c'est sobre. Bien. En oui. fait, c'est sobre. Oui. Pour un niveau 200, ils ont fait un truc giga épuré. Élégant, sobre, franchement. Avec la petite montre en or, ah, les petites bagues, tu vois, tranquille quoi. Ah, bon, celui-là est flashy. Hein. Ouais. Moi, je suis moins fan. J'aurais préféré Feral que Renzo. Oui, moi aussi, ouais. Ah, ils ont pas mis Feral, c'est bizarre quand même. Bah, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être déçus le fait qu'il n'y ait pas Feral. Oui, je pense, ouais. Oh la vache, c'est trop beau. Ouais, c'est efficace, avec c'est sobre. Avec son signe devant, ça rend trop bien. Ouais, ça rend ultra bien. Et la fameuse, oh là là là, c'est clade. C'est classe. C'est classe, c'est carré, je sais plus ce que je voulais ouais, dire. Ouais, t'es un peu un mélange. Ah, c'est, ah, avec son masque, là, avec c'est son masque, stylé, ça rend trop bien. Ouais. Bon bah voilà, ouais. Niveau 200. Franchement, les plus beaux skins. Ouais, méga efficace. Du coup. Ceux-là, bah, un peu moins. C'est Matassine. Mais Matassine, c'est la mienne. On va aller voir dans le casier. Oh là là, c'est du coup, efficace. Ses cheveux changent. Non, mais aussi. Regarde les textures, quoi. Les textures, les petites définitions. Et est-ce qu'on pourra la mettre sans capuche ? Ah ouais. Ah, du coup, le skin est vachement intéressant. Ouais. Tu peux même la mettre en loup. Hein. Ah ouais. Donc, t'as 10 000 skins avec celui-là. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, t'as énormément de déclinaisons. C'est ultra et efficace. Et les cheveux hein. changent à chaque fois aussi. C'est ultra efficace, hein. Oh, ah, il est trop beau. C'est carré. Et du ah, coup, les trop cheveux, beau. Ils sont comment là ? Doré ouais, c'est rose, pas quoi. Mal. Du coup, le skin est vachement plus intéressant. Bah là, oh, le loup est pas mal aussi. Le loup en or. Ah, le ah, loup, du beau. Coup. Ah, ouais, il est. Là, ouais. pour le coup. Ah, ouais, là, il y a de quoi réfléchir. Là, j'aime bien celui-là, mais du coup, c'est flashy. Hein. Mais ça, là, c'est flashy, propre. Ouais. C'est très, très propre. Du coup, bah, c'est pas, pas mal. De skin pour ceux-là. Hein. Ils sont punis. Bah, ouais, par donc. Contre, là, lui, là, il a. Bah, en même temps, lui, c'est tout à fait le style. C'est bien qu'il l'ait laissé en version noire, il est ultra sombre, il est oui, ultra classe. Oui, oui, oui. Ouais. Avec les yeux qui changent de couleur oui. et tout, il est incroyable. Incroyable. Là, comme ça, je dirais que c'est une des mieux, celui-là. Cette couleur-là. Parce qu'en fait, il est très sombre en même temps. Ah, moi, je dirais en doré. Ah, oh, doré, ouais. Bah oui, doré. Et y'a qui d'autre, du coup ? C'est quoi le dernier ? Imani à droite. Ah, Feral, quoi. Ouais, Feral, rien du tout. C'est incompréhensible. Ouais. Surtout qu'il aurait été énorme. D'où ils ont choisi. Surtout qu'il aurait été énorme. Oui, j'ai Renzo et tu Feral. Pourquoi ils ont pas fait Feral ah ouais, parce que bizarre, Renzo hein. c'est le premier skin aussi. Que du tu coup, Imani, on peut mettre sans lunettes par exemple et sans volutes. Ah, les trucs qui bougent. Ah oui. Ah, c'est efficace. Franchement, c'est efficace de ouf. Bah après, il est quand même pas mal, hein, mais. Ah, moi, c'est manteau... celui que j'aime, moi. Ah oui, tu peux mettre avec le manteau et ça. Ah, par ouais. contre, ils ont géré cette fois-ci parce que oui, normalement, oui, tu oui. peux pas faire ça. Oui, c'est vrai. C'est normalement, vrai. Quand tu mets, t'as un seul style c'est et là, vrai. Tu peux quand même utiliser les différents styles. Et ça rend plutôt bien. Hein. Ah, c'est classe. C'est classe. Bah, après, voilà, si on est fan du skin, c'est vrai que là, pour le coup, voilà. Oui, ah bah oui, si t'es fan du skin, là, bah oui, bah oui. Mais quoi, t'es niveau 130 et quelques pour oui. juste pour le débloquer ouais, direct, parce ça. Que sinon on aurait dû. Avec le masque, moi, je trouve que ça rend trop bien. Avec le masque, pour le coup, c'est peut-être mieux, ouais. 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 Les cheveux, un peu avec l'effet violet. Ouais. Ah, mais tu peux le mettre en premier style! Ah ouais, en fait, c'est pas mal fait. Ils ont géré. Ah ouais. Est-ce que c'est pas la première fois qu'ils font ça? Ah bah, c'est encore mieux avec le premier style! Mais non, on a même pas regardé Mizuki. Ça. Bah oui! On a regardé juste ça et en fait, on a fait ah oui, d'accord. Et en fait, je savais pas. Du coup, tu peux mettre avec le masque ou sans le masque. Avec le masque, et en plus de ça, tu peux mettre avec la traîne ou sans la traîne. Donc en fait, ouais. normalement, les skins spéciales. On va vérifier, mais il me semble qu'on va échanger. Oh! Incroyable, il est encore mieux! Oh là là! Ah, personnage spécialiste. Il y a des nouveaux persos. Sur la map ? Si vous avez besoin d'aide au combat, 8 nouveaux personnages spécialistes sont arrivés sur l'île et ne demandent qu'à être recrutés. Spécialistes de la reconnaissance, ils peuvent abattre vos ennemis avec de loin avec un fusil sniper et vous indiquer la présence d'ennemis ou de coffres à proximité. Spécialistes de la destruction, leur inventaire explosif leur permet de faire exploser tout un tas de trucs. Ils peuvent également subir plus de dégâts que les autres spécialistes. Spécialistes du ravitaillement, ils déposent des matériaux et des munitions que vous pouvez ramasser. Les spécialistes des soins, ils utilisent des aspergeurs du bras pour rendre un PV ou des boucliers. Tu peux, t'as des et donc bots. T'as 4 persos du coup, là. T'as des PNJ à acheter. C'est et ça. Et en fait, ils te soignent et tout. Alors, comment il est beau, mon skin. Il est magnifique. Franchement, il est juste magnifique. Bah, je suis pas connecté. Pourquoi de bas là ? Je sais pas, et ça rame de ouf. Hein. Moi, je trouve depuis hier, ça rame Fortnite. Les lancements de parties. Incroyable. Magnifique.
Vas-y, j'ai l'impression d'être sur Nintendo Switch là, ça mettait 15 plombs, bah. T'es toujours pas là? Bah ouais. T'es où? Il est où ton perso? Ah si, il est là. Ah bah dis donc. Ok. Remercie le chauffeur de bus. Ouais, ah bah parfait, 40 sur 40. Alors où on va? Où est-ce qu'on peut recruter quelqu'un? Arrête, faut penser à un endroit où on peut recruter quelqu'un. Où il n'y avait pas de PNJ avant. Bah partout. Steamy Springs, il n'y en avait pas. Steamy Springs, il n'y en avait pas. Hein. Après, Slappy Shores non plus. Vas-y, Steamy Springs, on va voir. Donc on peut avoir on peut recruter des spécialistes. Ouais. Donc on peut recruter des snipers, on peut recruter des soins oui, et tout. Oui, mais on saura pas... si, on saura tout de suite qui est qui. Bah... Ouais, c'est par rapport à son nom, ça veut dire oui. Que en fait là... Par rapport à ce qu'il vend ou ce qu'il donne. C'est-à-dire que là, si je vais dans personnage, il y en a de nouveaux en fait. Il y en a 4 nouveaux normalement. Ah punaise. Ah. Il y en a un Steam Spring et il y en a en dessous. Ah oui. On les voit, ah, oh, oui. C'est trop bien. C'est nouveau ça. Mais l'interface il a changé. T'as de l'argent? Oui, oui. Ouais. L'interface il a grave changé. Ah oui, je l'ai. Tu l'as, ouais, tu le recrutes. C'est qui du coup lui? Méandre. C'est bon? Il a juste un fusil. Je sais pas ce qu'il fait. Collection. Spécialiste de la destruction. Méandre est immunisé contre le feu et adore les explosions. Ah donc il va faire. Ah mais c'est trop bien du coup, ils ont une description maintenant les PNJ. Dans leur nouvelle interface. En fait il y a une nouvelle interface. Tu vas sur l'onglet. Attends, j'essaie de trouver une arme déjà. Ah c'est pas mal. Enfin les PNJ quoi. Ils ont enfin une évolution. Ah, c'est pas possible, j'ai zéro arme là. J'en ai plein hein. J'ai un coffre et je le vois pas. Viens là. Regarde, il est trop bien le PNJ. Ah, il est trop bien. Et du coup, c'est Méandre. Et regarde. En fait, ouais. Chaque personnage a des trucs. Donc en fait, tu sais ses services. Et lui, c'est un spécialiste de destruction. Donc c'est bien un nouveau personnage. Okay, et donc, okay. On va aller voir en dessous. Parce qu'il y a quelques... Ah, bah attends, mais l'île, depuis quand on n'a pas l'île en dessous? Ils ont rajouté une île? Ah oui, ils ont rajouté... Non, peut-être pas une île, mais un truc sur l'île. Trop bien. Genre, attends. On voit les PNJ en temps réel. Attends, on voit là où ils se déplacent ou quoi? Tu penses? Non, c'est un petit effet bizarre qui se fait quand je lance. Ah, je le vois. Ah, on peut pas le recruter. Ah bon? Non, c'est juste qu'on l'a jamais fait, lui, je pense. Bah, tu peux le recruter parce que t'en as bien. Non, il a pas de petit truc au-dessus de lui, tu sais. Ah oui. Mais tu me suis trop bien, toi, t'es trop bien, Globule, là, ou je sais pas quoi. Ouais, il est trop bien. Il est trop cool, là. Globule. On va parler à tout le monde, comme ça on saura, c'est Thunder. Bon, moi, je l'avais jamais fait. Thunder? Ah, ouais. Bah, Thunder, c'est le skin pro. Ouais. Je l'avais jamais fait, je sais pas pourquoi. Bizarre cette île, genre je suis jamais allé sur cette île. Ah peut-être alors. Ou alors ils ont peut-être changé un petit truc. Let's go. Munitions. Okay. Ah, des munitions de bazooka. Oh, what? Oh, c'est lui. Il lance des grenades. C'est vrai? Oui, oh, c'est lui qui l'a eu. Méandre a fait sauter. Méandre. Ah, c'est trop bien, il lance des grenades. Ah, c'est incroyable. Énorme. Oh non. Oh non, il attaque quelqu'un d'autre! Là. Ok. Oh, il lance des grenades, c'est trop bien! Oh, c'est trop marrant! Oh, c'est énorme! Ah, c'est incroyable! Mais on va le chercher à chaque fois. Ah bah. Il va lancer des grenades sur ceux qui construisent, ah t'inquiète bah... pas, c'est ça va énorme. Pas construire longtemps. Hein. C'est énorme! C'est trop bien! Mais ça sert plus à rien, j'ai. Allez, go! Je fous le tout là. Il y avait plein de loot, hein. Mettre des clés. Allez, vas-y, vendu. Vous avez des clés? Non. Non. Non, non. Ils ont enlevé le bug des clés où tout le monde avait 10 000 clés. Ça là. Se trouve, ouais. Incroyable, il envoie des grenades, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. Bah, c'est fun, quoi. En fait, c'est une mise à jour fun, là. Ça, pour moi, c'est fun. Oui, ouais. Et quand c'est fun... C'est bien. Bah, c'est bien, parce que c'est le but. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a? Chelou. Quoi? Il y avait un pompe exotique par terre. Ah bon? Je viens de récupérer un pompe exotique ici là. Oula! Mais avec des munitions et tout. Genre ils les ont mis par terre les pompes et les exotiques, j'ai l'impression. Chelou. Attends, j'ai bugué ou j'ai bugué là? Vas-y, là, dis-moi ce que tu veux. Bah, je sais pas. Le pompe légendaire, tiens. Ouais. Et je vais prendre le snipe parce que je vais prendre les munitions et je te le donne. Mais j'ai déjà un bleu. Ah oui, mais violet. Ah oui. Et moi je prends les munitions. Ah ouais, je peux te donner les munitions par contre. Hop. Voilà, comme ça on a un peu plus de munitions parce que... Mais non, mais j'en avais 24, j'en avais plein. Bah vas-y. Ok. On continue. Comment il pouvait y avoir un exotique par terre?
C'était un bug total. Alors soit c'est un bug et du coup il a pas généré, le coffre a pas été généré. Oh, oh les œufs. Ouais, on va récupérer des œufs. Ah mais tu peux pas, t'avais été full. Ah oui, bah oui. Bon, bah, il faut trouver des dorés pour avoir des lingots. Ah oui, oui. Vas-y, viens, suis-moi. Fais gaffe parce que du coup. De toute façon, les défis, ça va être ça, hein, c'est de trouver des œufs. Hein. Je pense. Donc là, c'est des œufs à bouclier qu'on connaît déjà. Ouais. Il y a des œufs à bon, non? Oh là, il y a quelqu'un. Ah mince, j'ai loupé, quel idiot. Je l'ai touché une fois. Il s'en va. Hein. Il est quasiment. Il est quasi dead. Il est parti. Il est derrière. Ah, j'ai eu. Ouais, 108. Ah oui, BGG. Je me soigne. Oh oui, il en a des grenades. Oh, ils ont des couronnes. 72, j'ai eu à 72. Il est fini. Hein. Prends la lame. Oui. Oh, ils sont pas ensemble. Pardon. Mais c'est qui lui? Mais c'est qui lui? Prends la couronne. Attends, mais c'est qui? Prends la couronne. C'est moi, je suis qui? Mais il vient, de toute façon, ça sert à rien ce que tu fais là. Soigne-toi. Y'a ça. C'est bon, je le soigne. On est en train de se faire un par je sais pas quoi. C'est éclaté au sol. Je me fais tirer par je sais pas quoi. Je comprends pas. Viens. Tu peux soigner ou pas? Attends, depuis là. Ouais, c'est bon, je suis full. Je sais oui, pas oui, ce mais non, mais il y avait plein de personnes. Il y avait un bug. Il y avait une équipe qu'on a eu. Donc t'as eu un duo, un seul. Il y avait un truc qui nous envoyait des explosifs et je sais pas ce que c'était, je comprends pas. Et il y en a un que j'ai ouais, pas c'est et qui est parti. Non, c'est vraiment chelou là. Ah là, c'est un giga bug hein. Ah, tu te prenais les explosions de what? Attends, c'est moi ou je vais viser en plein dessus et ça a rien fait? Oui. C'est lui qui était avec lui. Faut qu'on s'en aille. Pas reprendre la lame, heureusement que j'ai repris la lame. Ah la voiture propre, punaise. Là. Bon ça, c'est okay. Un bot. Ouais, c'est un bot. C'est pas grave. Ah oui, il y en a les couronnes. Vas-y. Y'a personne derrière nous là, parce que là, ça a construit une malade de partout. Hein. Là, je les vois. Ah, punaise. Il est trop nul. Il bougeait pas. Là, go. Bon bah go. Vas-y viens. Il est tout seul l'autre. Faut qu'on aille avant qu'il soigne. Quoi? Il est plus là. Tu l'as touché? Il doit monter. Ils sont deux, il a réussi à le saigner. C'est insupportable. Ouais, franchement, ça c'est. Ça, ils ont changé un truc, je sais pas quand, c'est insupportable parce que. C'est incompréhensible. Franchement, c'est incompréhensible ça. Je comprends pas, ils se soignent giga vite et en fait, tu le vois pas. Il reste plus qu'eux et une équipe de. Et une équipe. Et un solo. J'ai touché. Casse-toi. Et tu te fais viser par le solo. Ouais. Ils sont éclatés. Et là, le solo, il me vise sûrement beaucoup. Ouais, que sur toi. Je pense que c'est le solo qui va t'embêter. Là. Je comprends pas l'équipe là, elle était éclatée au sol. Je l'ai mis KO 3 fois. Incompréhensible. Ah, méga chelou. Vraiment, pour mettre 3 fois KO, qu'il est 0 niveau et qu'en plus il se soigne à chaque fois. Ah ouais, non mais incroyable. Bon, j'ai recherché un autre PNJ du coup. Yes. Tu penses que c'est lequel? Citadelle, moi je dirais. Citadelle? Ah non, pas Citadelle. Bah si, peut-être Citadelle. Non, hein. Bah non, mais ça va être. Parce que la dernière fois. On va faire.
Allez, tu ici. Ici, tu penses? Lui, bah, là. Si tu veux, je vais là. Bah, je vais là, moi. Ah non, parce qu'il faut repérer tout le monde. Oui, mais comme ça, oui. Mais non, c'est oui, faut oui, que oui je on ira après, on ira après. Parce qu'il faut qu'on ait. Comme oui, ça, on sera sûr de après comment aller chercher. Parce que oui, je m'en souviendrai pas. Dans trois parties, j'aurais oublié si on. Non, non, il y en a trois autres, donc on a une chance. Ah ouais, la partie a été éclatée. Enfin, la partie, était, la partie était bien, mais la fin était vraiment éclatée. Bah, trois fois KO, le duo, même, le solo qui trois fois. C'est gros. Au bout d'un moment, hein. C'est peut-être un nouveau. C'est peut-être un nouveau. Ah non, c'est le polar bien. Oui, c'est un nouveau, c'est un nouveau, c'est un nouveau. Ah, mais non, mais il était pas nouveau, ils l'ont changé alors. Non, non, c'est bon, il est. Patrouilleur polaire. Bah, attends, viens lui parler aussi. Avant que ça, hein, je le recrute. Ou alors, recrute-le, vas-y, recrute-le. Sois sûr. Hein. T'as plus que moi, vas-y. Oui, c'est un nouveau, vas-y. Du coup, l'aventure ensemble. Alors, ours mal léché, spécialiste de destruction. Donc lui, c'est un destruction aussi. Ah, c'est un destruction aussi. Je pense que lui, c'est un qui existait, qu'ils ont transformé. Oui, c'est possible, ouais. Parce qu'il y en avait déjà un là, mais on pouvait pas le recruter, je crois. Ok, bon, on a recruté encore un qui va exploser, j'espère ouais, que tu vas être fort. Et on va aller voir au-dessus, là. Tu vois, il y a un petit truc, là on le voit là, là. Ils ont des trucs en dessous ouais, sur la map. Ouais. Attends, je me fais vider dessus. Quoi? Ah, mais c'est un vrai joueur, je pense. Je pense qu'il est venu chercher le PNJ, non? Ah, tu penses? Ou je sais pas, c'était un bot. Je me fais vider dessus encore. Mais c'est pas possible, je viens de passer, j'ai rien vu. Ah mince, j'ai plus de munitions. C'est bon. J'ai plus de munitions. Et quoi? Et ils ont spawné. Oh là là. Et ils ont spawné avec des armes ou comment ça se passe? Ils ont tous des armes. Bah ouais. Non, non, mais on, vient, on vient d'atterrir là dans la maison, on a tout ouvert et il y a des gens qui ont des armes. C'est une joute là en plus, il y en a qui ont des bonnes armes. Mais tu l'as eu le deuxième? Bah non, j'ai eu son celui qui était que t'as mis KO. Il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est pas là, ouais. Il a fait son mur. J'ai fait 3 kills, hein. J'ai fait 2 kills, t'en as fait 1. Il y en a un autre. Il y en a un qui vient de disparaître. Non, mais il là, 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 là. Il est foutu sur moi. Et ils sont ah pas, non, ensemble. Pas ensemble. Et ils sont pas ensemble. Mais what? Mais c'est quoi cette zone? Ils ont tous un pompe, hein. Et il y a un pompe alors qu'ils ont spawn. Et encore. Ils ont spawn au milieu de nulle part. Mais ils ont spawn au milieu de nulle part. Et ils ont spawn au milieu de nulle part, il n'y a rien qui est ouvert, ils ont oui, des armes. Je pense que c'est un soin, en fait, pour pas que ce soit trop facile. Après, il y a une cachette à côté. C'est qui? Tu... Ah, tireur d'élite. C'est un tireur ah, d'élite, c'est pour snipe, ça qu'il est paumé et qu'il est tout seul. C'est un snipe. Tu lui parles, parle-lui, avant que je le recrute. Non. C'est un snipe. C'est un snipe. Ouais, c'est un snipe. Il a les jumelles et du coup, il repère les coffres. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, stylé. Mais c'est incroyable. Bah, faut rester de loin avec... Bon, c'est cool. C'est ouais, cool parce que ça rajoute de la nouveauté quand même. Ouais, c'est une bonne mise à jour. C'est pas mal. T'as des clés ou pas? Hein? T'as des clés ou pas? Ouais, de toute façon, c'est pété. Bon, j'ai pas de clés. Y'a une moto? Y'a plus de moto? Ah bah. Voiture. Mmh. Attends. Ah, ça réanime. Non, il scanne. Ah oui. Ah, tu vois, il a scanné quelqu'un. Exceptionnel. Exceptionnel, le PNJ. C'est un bot, hein, mais c'est pas grave. C'est pas un bot. Y'a quelqu'un. C'est pas un bot. Y'a quelqu'un d'autre. Tu l'as eu? Ah ouais, je l'ai eu. C'est pas un bot. Punaise. C'est pas un bot, vu comment il se déplace. Oh punaise, je suis là. C'est pas des bots. Oh punaise. Vite, il y a la tempête, Attends, viens là. Incroyable. Incroyable. Il scanne. Il tire dessus, il scanne. Énorme, et puis mon PNJ il était. Pas qu'il dead ou pas qu'il dead. T'as vu mon PNJ ce qu'il faisait? Bah il non, lançait des grenades. Incroyable. Ils ont cherché pipi. Ah oui, il y a des toilettes. Quoi? Et ça mène où? Bah j'espère pas dans la tempête. What? What? T'es parti dans le Ville Square? Oui, c'est aléatoire. Moi bah, je pense pas. Je pense que ça tout doit mener ici. Mais ça, bah, très bien. On découvre des choses, c'est wouh. Bah très bien.
Incroyable le scan. Le scan c'est incroyable. Ouais, merci à tous les coffres. J'ai une fois de tiers technicien. Il scanne à l'infini, mais regardez, mais c'est incroyable. Mais genre, il y a personne qui a fait un demi-square, mais j'y crois moyen. Non, mais nos parties elles sont pétées. Ouais, c'est tout ça pour pas qu'on fasse de top 1, hein. C'est sûr. Ouais, vas-y. Ah! T'as des munitions de snipe ou pas? Tiens. Tiens, c'est tombé. J'en ai eu un. Ouais? Ouais. Merci. Tu veux aller? Tu veux le snipe? Vas-y, ouais, si tu veux. Mmh. Bah, mais non, mais garde-le si tu veux garder. Vas-y. Allez, munitions alors. Ok, yeah, j'ai une arme. Non, mais j'essaie d'éclater ce que j'ai. Non, mais comme j'ai ça déjà. Ah non, c'est des vrais joueurs, ouais. Génial. On y va, on reste là. Tu sais pas. Bah, tiens, je vais en prendre un nouveau. Ah. Tu as visé où? Juste là. Il y a des scans, non mais c'est... Genre, il scanne quoi. Non. C'est énorme, ça, je pensais pas qu'il scannait. Exceptionnel les... ce penny. Exceptionnel ce penny. Ah ouais, exceptionnel, ouais. Meilleur penny, j'ai. Hein. Il y a des munitions de snipe? Ouais, un peu. Vas-y, prends. Oh, le pompe, yes. Bleu, c'est mieux. Je vais juste construire derrière pour pas qu'on se fasse voir. Ils sont là, tu vois, c'est eux. Ils sont toujours là, fais gaffe, y'en a un qui a un snipe. Non, mais j'ai pas de snipe, hein, donc là, on le voit, que je tire. On le voit de ouf. Il voit pas que je tire. Dommage. Ils construisent, est-ce qu'ils se font attaquer? Non, c'est eux. Seul. Le problème c'est que là... Oui bah vas-y, au pire on attend, ils vont nous rush dessus, on va voir ce que font les PNJ, puis tant pis. On est parti avec Franklin. Il tire au snipe. Ah y'en a qui veulent sur nous, y'en a qui veulent sur nous. Il a scan. Là. Oui bien sûr. Non mais vas-y, sonne-moi, sonne-moi. One shot, ah il a, oui. Il a du capon, faut juste pas qu'on rush sur nous pendant ce temps-là. Prends la petite boisson là. Ouais, t'inquiète. Il venait de l'île. Solo. Les solos nous aiment bien, je sais pas pourquoi. Ça a tiré pas loin. Bah, oh, il y a l'explosif, tu l'as? Oui, je l'ai. Ils sont en dessous. Est-ce que je peux pas les avoir? Là, on va essayer, là. On va essayer. Allez, go. 1, 2, 3. Toucher une fois, il s'en va. Ok. C'était marrant. Oui, c'est marrant. Celui qu'on vise, il est parti à gauche. Oh mais c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Là. Là, en dessous. C'est pas lui qu'on vise. C'est pas lui. C'est d'autres personnes, ça? Ouais, c'est encore d'autres. Ah oui, donc ils sont derrière. On a scan. Oui, oh, c'est là. Trop bien. Je vise, attends, je vais le faire. Oh genre c'est un headshot ça, je suis désolé, c'est un headshot, il y a plus de 10 en tombe. Son coéquipier me vise dessus en dessous. Vas-y, cible son coéquipier s'il te plaît. Il est en dessous par là. Là. Ah, il y a l'équipe qui doit se fight. Ils sont derrière la pierre, je l'ai vu. Ah oh ouais, c'est bah c'est équipe Young. Ah oui, c'est prêt, fini. On va viser dessus. Oui, c'est celui d'en dessous, celui qui est en dessous. Il y en a un qui est dans la maison. Je crois. Hein. Non. Si, ils sont dans la maison. Oh il y a le scan incroyable. Oh go. Faut y aller. Go.
Et on s'est doublé par le coup. Attends, attends. T'es où? T'es là? Ouais. Bon, au moins on a eu un. Oh, le... Et l'autre le PNJ, il est incroyable. Attends, je me fais viser dessus. Oh! Go, 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 go! Exceptionnel, le jeu est exceptionnel, les gens. Non, mais est-ce que tu le sens? Ouais, what? Le jeu, il est exceptionnel. One shot. Ah, c'est trop dommage. Ouais. Oh là là. Bah, on a fait un bon truc. Ouais, on a fait un bon truc. On a fait des bons headshots, ouais. Ouais, ouais. Ah, franchement, ah, ouais, c'est abusé. Franchement, non, mais c'est pas probable, les gens, qu'on ait une équipe qu'on cible. Et oh, bah, elle est imbattable. Oh, non, bah, c'est celle qui est chiante. Tu vois. C'est comme la partie d'avant, je me suis fait one shot par la même arme. Ouais, ouais, bah, elle est forte. Hein. Elle est forte. Oui, mais bon, de la prépa que je me fasse le seul one shot de la partie, elle me fasse one shot. Bah, ouais, mais c'est pas grave. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup de nouveautés très sympathiques. Ça donne envie. On va essayer de tryhard pour essayer de débloquer tous les PNJ et. PNJ transparent. Ouais. Transparent. Tous les PNJ. Et puis, bah, essayer de débloquer le maximum de petits skins. Déjà, ah, c'est bon, quoi c'est, le premier? C'était les bonnes parties. C'était marrant. La moi, j'aime bien quand on avait fait comme ça. Enfin, tu vois, là, c'était. Ça faisait longtemps qu'on avait pas un fight où, en fait, t'as trois vraies équipes. Oui. Et tu vois, c'était tendu. Il y en a une que t'as one shot. Du coup, on est allé direct. On l'a tué, mais on n'a pas eu l'autre, j'ai fait. Ouais, mais j'arrive, je die, il me fait one shot, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, bah oui, c'est compliqué. C'est vrai que ce pompe-là, il est frustrant pour le coup. C'est un peu comme le sniper lourd, hein. J'ai fait deux one shot. Ouais, mais là, au-delà, oui, il m'a fait one shot. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, faut faire vite avoir de pouce bleu. On vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Game Allez, salut.